dimanche aux violonistes, bonjour aux Mildoristes aussi, donc ceux qui sont abonnés à Mildor Violon. Euh, je je m'appelle Jean-François McDonald, je vous, euh, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret Violoniste, votre émission web qui vous permet d'en savoir plus sur tout ce qui touche au violon. C'est tellement un plaisir d'être avec vous semaine après semaine, puis vous êtes de plus en plus nombreux aussi à euh, être ici pendant les webinaires et c'est vraiment, vraiment, honnêtement, un, un réel plaisir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, attention, <laughs> nous avons. Un gros sujet. Oui, l'heure est grave. <laughs> l'heure est au complot, mesdames et messieurs. <laughs> Avez-vous déjà entendu parler du complot des choses contre les humains? <laughs> C'est cette fâcheuse tendance, par exemple, <laughs> que notre. Tu sais, on, on, on se fait une rôtie <laughs> ou une toast, comme on dit au Québec. On beurre notre, notre pain. On l'échappe. ou oh, il va tomber de quel côté? Vous l'avez deviné, du côté du beurre. On échappe quelque chose à terre, exemple, une bague, c'est certain qu'elle va aller dans l'endroit entre en dessous du meuble où on a de la difficulté à aller la chercher. Ce complot là existe. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'un autre complot, celui celui des doigts contre les violonistes. Et je m'explique. Avez-vous remarqué des fois que vos doigts font des choses qui n'ont pas de sens? <laughs> pourquoi, pourquoi, mon, pourquoi mon quatrième doigt claque quand, quand, quand je le ramène vers moi? Pourquoi est-ce que pendant que je suis en train de jouer, je fais simplement placer mes doigts sur mes collants et soudainement ma main avance? Avez-vous remarqué ce genre de petites choses-là qui arrivent quand vous jouez du violon? Puis on se dit, mais voyons, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça consciemment. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le complot des, des doigts contre les violonistes. Et aujourd'hui, nous allons tous les exposer, ces complots, ces manigances, et on va essayer de faire le tour pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre main. Oui, être autonome au violon, pouvoir avoir euh, bref le contrôle sur votre main gauche, s'assurer que vous fassiez qu ce que vous voulez. Alors, je vous pose quelques questions, et là, je suis vraiment. Euh, curieux de voir le nombre de personnes qui ont eu exactement le même problème. OK? Attention. Pour tous ceux, hey, mon Dieu, que vous êtes beaucoup aujourd'hui à écrire et il semble avoir une espèce de boucle infinie parce que <laughs> je vois. Euh, je revois les commentaires en boucle depuis le début. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Voilà. <laughs> Alors, écoutez bien. Qui a de la misère hein, avec son quatrième doigt, pas capable d'aller l'étirer, pas capable de se rendre jusqu'au bout? Et j'ai ici Jair Ramos qui écrit Bonjour JF, je suis super content avec le webinaire de la semaine passée, j'ai pu corriger ma position, améliorer ma tenue d'archet, mon son est meilleur, merci JF. Tellement content, ça me fait plaisir, je vis pour ces beaux moments-là, je suis fier de toi, je suis content que tu aies réussi à, à régler un problème, bravo. Alors, pour ceux et celles qui ont eu déjà de la misère à étirer le quatrième doigt jusqu'au jusqu bon emplacement, écrivez s'il vous plaît. Euh, comme toujours, euh, quand, dans les webinaires, vous écrivez votre prénom en majuscule suivi de quatrième doigt pour ça. Pour ceux et celles qui ont, de, qui ont déjà eu de la difficulté avec la justesse de vos doigts, vous pensez placer le doigt au bon endroit, vous regardez, oups, vous dépassez votre collant. Oups, le son n'est pas. Et pourtant, vous semblez faire toujours le même mouvement et ça ne fonctionne pas. Écrivez votre prénom et écrivez Justesse. Qui a une main qui. <laughs> Attention, une main qui avance graduellement vers, <laughs> vers soi. <laughs> ça, ça fait peur un peu, je te dirais, au début. On commence, on joue du violon. D'un coup, la main. Il me semble qu'elle a bougé. Là, on joue, on joue. Hey! Il me semble qu'elle a encore bougé. Puis là, finalement, ça fait comme la main dans, euh, dans euh, la famille Adam. OK, bon. Fait que bref, <laughs> est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Écrivez votre prénom suivi de main, euh, main qui avance. OK? On va dire ça comme ça. <laughs> Je suis content parce que ça commence à rentrer, c'est vraiment le fun. OK. Qui a, attention, mesdames et messieurs, des doigts qui s'aplatissent sur la touche? Vous essayez de les mettre bien droits, mais ils s'aplatissent tout le temps. <laughs> Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Vous écrivez votre, votre prénom et vous marquez euh, « doigts qui s'aplatissent ». Et je vais juste compter le nombre de personnes qui vivent exactement ce même genre de problème, parce que, mesdames et messieurs... Vous qui êtes en train d'écrire sur votre clavier et qui remplissez déjà les commentaires, et je vous remercie d'ailleurs, Google m'apprécie beaucoup dans ce temps-là. Euh, pas Google, mais YouTube m'apprécie beaucoup dans ce temps-là. Mais pour tous ceux qui écrivent en ce moment, et mon Dieu que ça rentre, voilà, voilà, vous êtes une tonne. Oh, J'ai de la misère à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est un autre 10, ça c'est un autre 10. Vous êtes déjà 50 et je sais qu'on a un délai de 20 secondes, fait que les, les plus grands vont rentrer. <laughs> vont ça va être fou fou fou. Incroyable, hein? Vous avez tous vécu ça, hein? Et ça, mesdames et messieurs, ça veut dire que vous êtes tous et chacun victime du complot des doigts contre le violoniste. Mais aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Parce que je me suis dit, OK, on va faire le tour de ces choses-là qui arrivent. <laughs> Ah, et avant d'aller plus loin, je veux savoir, OK? Euh, parce que là, j'ai vu. <laughs> C'est incroyable. Vous avez tous vécu ce genre de problème-là. Alors, pour ceux et celles qui auraient d'autres problèmes que je n'ai pas mentionnés, OK? S'il vous plaît, écrivez votre prénom suivi de la patente weird que votre doigt fait <laughs> ou que votre main fait. Écrivez la patente. On, on va parler français, international. Quel est le truc bizarre <laughs> que votre main fait? Euh, et que vous n'arrivez pas à comprendre, écrivez-le. S'il y a quelque chose de spécifique euh, ou que je vois que, qui peut être utile à d'autres, je vais prendre la peine d'ici aussi la fin du webinaire de vous expliquer pourquoi, vous donner des trucs, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. C'est ce que j'appelle, moi, euh, les mouvements naturels de la main. Et où j'aurais dû peut-être appeler ça les mouvements naturels problématiques de la main. Parce que, tu sais, si on veut placer un doigt et que notre doigt fait exactement ce qu'on veut, voilà comme ça, et puis il est au bon endroit, ce n'est pas un mouvement naturel qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est justement ces mouvements naturels de la main problématiques, des choses spéciales qui se passent, ces fameux complots, justement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, Isa dit... Euh, oui, euh, les doigts s'aplatissent à euh, l'insu de mon plein gris, oui, <laughs> exactement. Euh, Marie qui dit, mes doigts ont leur vie à part <laughs> de la mienne parfois. Effectivement, Diane qui dit, ok Diane, bonjour maman, <laughs> euh, main gauche parallèle aux manches. Ok, je, tu dois probablement écrire à quelqu'un d'autre. Euh, Pascal dit, euh, tous mes doigts bougent quand je bouge mon, mon troisième et mon quatrième. Effectivement, on va en parler de ça aujourd'hui, tout à fait. Euh, j'ai de longs doigts, dit Lise. Oui, effectivement, ça peut avoir euh, des, une, des différences. D'habitude, au violon, c'est une bonne chose d'avoir des, des doigts qui sont plutôt longs. Euh, moins lorsqu'on va dans les positions hautes. Mais quand on est violoniste débutant, c'est une bonne chose. Ça nous aide justement à aller chercher notre quatrième doigt la plupart du temps. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Euh, Shirley qui dit oui, quatrième doigt. Très bien. Mélanie, quand je plaque les quatre doigts... Si je veux lever le quatrième, le trois suit, oui, c'est quelque chose dont je vais parler aujourd'hui. Effectivement, c'est déjà prévu, c'est dans mes notes. Oui, mesdames et messieurs, j'ai des notes. Elisabeth, les doigts qui restent collés ensemble. Tout à fait, on va en parler. Euh, Cynthia, mon chum, c'est son deuxième. Mon Dieu, j'ai des. J'ai de la difficulté. Oh. est-ce une... oh, est que ça a disparu? moi, ouais, j'ai de la difficulté aujourd'hui, les choses disparaissent devant moi. Cynthia, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu ton commentaire, Cynthia. Donc si tu veux, tu peux euh, réécrire. Je viens de redémarrer le programme, j'ai tout perdu les commentaires que vous aviez. Mais bref, on, on le voit, on le sait, euh, c'est des choses qui arrivent. Ce sont et ça vient du fait que nos, notre main elle a une mécanique. Il y a des mouvements naturels. <laughs> si vous attendez. En arrière c'est ma petite fille qui, euh, <laughs> qui s'amuse Bref euh, justement on a une mécanique dans notre main il faut essayer de la comprendre bon je vous dis tout de suite en début de webinaire je ne suis pas un spécialiste de la main non 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 je suis un professeur de violon donc si je dis quelque chose qui a pas vraiment de sens comme par exemple et je vais le dire ouvertement <laughs> ça fait. Ça fait 22 ans que je pense que la phalange, c'est le dessus, <laughs> le joint entre les doigts. J'ai découvert cette semaine en regardant euh, par rapport à la main que la phalange, c'est plutôt l'os. <laughs> hein? Alors, on en apprend tous les jours. Hein? Donc, je ne suis pas un spécialiste de la main. J'essaie de me renseigner, mais par contre, ce que je vais vous dire en termes de ce qui se passe dans nos mains, euh, ça, ça reste vrai. L'explication scientifique derrière, je ne pourrais pas nécessairement la dire. Ou bref, j'ai fait des recherches, bien sûr, pour le webinaire d'aujourd'hui. Mais quand même, euh, soyez indulgents sur les termes que je vais utiliser. Si j'utilise des termes comme abduction ou adduction, flexion, extension, et que ce n'est pas exactement ça que ça veut dire. Essayez de suivre ce que je veux dire. <laughs> je pense qu'on est capable d'avoir le gros bon sens, de faire la part des choses. Euh, c'est moins les termes qui m'intéressent aujourd'hui, c'est beaucoup davantage euh, ce que je veux vous apprendre par rapport à ça et comment justement euh, régler ces problèmes-là. Ça. Laissez-moi vous dire, je suis compétent sur cet aspect. <laughs> Donc, voilà, euh, je lis d'autres choses, Michael. Avec mon troisième, quatrième doigt, se mettre de côté et j'ai peur que ça pose problème pour le vibrato par la suite. Hmm, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par de côté, euh, Michael. Euh, on va en parler, mais si tes doigts euh, vont sur le côté dans le sens latéral comme ça. C'est pas mauvais, c'est ce qu'on veut justement pour le vibrato. Euh, bref, parce que les doigts éventuellement pour le vibrato vont faire ce qu'on a, un espèce de petit mouvement de... Comme une chaise berçante, hein. imaginez euh, le doigt qui s'en va comme ça sur le côté. Donc, on a notre main qui est vraiment de ce côté-là. Puis exemple, mon troisième doigt, je vais le basculer, pas avec la main, avec le bras au complet. Moi, je suis, je suis de ceux qui pensent que le vibrato, le plus beau vibrato, se fait avec le vibrato de, euh, de l'avant-bras. Ça, c'est euh, personnel. Je sais qu'il y a d'autres violistes qui pensent autrement, mais bref, euh, j'ai toujours trouvé que les résultats étaient meilleurs avec le vibrato de l'avant-bras, mais quand même, le doigt va basculer un peu comme une chaise berçante. Donc, si c'est ça que tu veux dire, ce n'est pas nécessairement une problématique, au contraire, c'est ce qu'on veut rechercher à faire. Euh... Euh, ouais, Nadia dit ⁇ Je ne vois plus le chat ⁇ Ça se peut, il y a quelque chose de spécial avec le chat aujourd'hui. Euh, Lynn écrit ⁇ L'index change d'angle sur la corde de sol ⁇ tout à fait, ça se peut, oui. Tout dépend de comment votre main est placée. On va en parler aujourd'hui. Donc voilà. Euh, je, je vois que vous avez tous vos, vos petites choses particulières. Je vais en lire deux autres. Mon pouce est douloureux parce qu'il se plie lorsque j'appuie sur les cordes du, euh, du violon. J'essaie de ne pas trop forcer. Donc si ton pouce va comme ça ici, effectivement. C'est une des choses qu'on va essayer de faire. On veut garder le pouce toujours en crochet comme ça. Euh, de, ben, du côté du manche, là, admettons que je tiens mon, mon instrument, on veut avoir le pouce toujours en crochet comme ça. Si ça n'arrive pas, c'est que ton pouce euh, compense pour la force de tes doigts. Tu as probablement une musculature plus fine. Ou peut-être que je me trompe, là, mais d'habitude, le problème vient de là. Donc, une musculature plus fine. Et souvent, le pouce, c'est évidemment le doigt qui est le plus fort. Et souvent, il va venir peser contre notre manche. Quand ça, ça arrive. À ce moment-là, les doigts, ça leur enlève de la tension dans les doigts. Par contre, ça vient créer de gros problèmes parce qu'on n'est pas censé avoir de la tension au niveau de notre pouce, même pas du tout. Ultimement, ce qu'on aimerait avoir, c'est un pouce qui, qui ne pèse absolument pas. Et un des trucs pour ça, ça va être de faire des exercices de musculation comme on va parler aujourd'hui. Mais aussi, euh, quand tu joues, tu peux faire le, le truc suivant. Enlève ton pouce complètement. Ça va être très difficile de, de jouer et d'être juste, OK? Mais on ne le fait pas pour, pour, pour que ce soit beau et pour, on le fait comme exercice. Habituer notre pouce à se rendre compte qu'il n'a pas, euh, qu pas lieu d'être là. Le pouce ne pèse pas. Voilà, c'est dit. Le pouce est toujours en détente. La main, le pouce, la pomme de la main, mais ici, il y a un nom, je ne me rappelle plus exactement. Bref, le muscle qui est ici. Vous voyez, les termes. Alors, il faut que ça soit toujours dans la détente, comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment important. OK, je vais essayer de commencer un peu mes explications, parce que plutôt que de vous répondre, vous allez avoir des réponses à travers mes explications que j'avais. Je vais juste regarder les dernières choses. Euh, moi, c'est l'annulaire. Emeraldov euh, écrit. Moi, c'est l'annulaire qui me fait des caprices. Euh, il oblige le majeur et l'auriculaire à suivre ses mouvements. Et tu as raison. Et ce n'est pas un caprice de ton annulaire. C'est un caprice de tous les annulaires. <laughs> et je vous explique. Et on commence mes explications euh, aujourd'hui avec ça. Euh, Donnons-nous quelques termes. Si vous m'entendez parler de flexion, on parle de cela. Extension, on parle de cela. Donc, chaque, chaque doigt peut justement bon, faire de la flexion et de l'extension. Euh, abduction, et encore là, si je n'ai pas les bons mots, c'est ce que j'ai compris par rapport à mes lectures. Abduction, c'est lorsqu'on sépare les doigts et adduction, que lorsqu'on les rapproche comme ça ici. Okay? Et ça, ce sont des mouvements comme ça euh, qui. Euh, vont nous permettre justement au violon de faire des choses. Comme exemple, euh, quand on étire nos doigts, je vois, là je vais parler plus d'étirer au cas où j'utilise le le, le, pas le bon terme avec abduction, là, mais bref, lorsqu'on étire les doigts comme ça, euh, là à ce moment-là, ça va nous aider par, par exemple à aller chercher notre quatrième doigt. Euh, euh, ce n'est qu'un exemple, mais voilà. Alors, quelques observations maintenant sur la main. Vous allez vous remarquer probablement. Oh, et une dernière chose que je me suis écrit euh, comme petite note. Gardez vos ongles courts, toujours, très important. Je sais que ça déplaît à certaines dames qui auraient voulu avoir les ongles longs, c'est beau, euh, je sais, ça fait, ça, ça fait beau, ça fait féminin, tout ça. Euh, je devrais plus dire ça en 2021, ça fait féminin, en fait, je devrais dire que c'est ben, tout simplement un, un effet de style, c'est intéressant. Euh, par contre, euh, au violon, on a besoin d'avoir les doigts qui sont vraiment. Euh, sur le, euh, qui arrive à la verticale. Or, si nos ongles sont longs, ça vient faire en sorte que nos doigts ont tendance à aller comme ça ici, plus à plat que, euh, que à la verticale, parce que notre ongle, justement, va venir nous faire, nous faire mal. Moi, personnellement, ici, en ce moment, mes ongles sont trop longs. Okay? Et, et pourtant, ils n'ont peut-être pas l'air trop longs, mais dès le moment que vous voyez du blanc, vous savez, là, on a l'ongle qui est un petit peu plus rosé. Et dès le moment que ça, que ça dépasse ce rosé-là, ça devient blanc. Si vous voyez du blanc, c'est que vos ongles sont trop longs. Bon, il peut y avoir une, une petite ligne d'un un, un, demi-millimètre, là, mais sinon, on coupe les ongles le plus ras possible. Et c'est comme ça que ça va nous aider à avoir une belle verticalité, par exemple. Alors, quelques observations par rapport à nos doigts. Nos doigts 1, 2 et 3. Et là, je, je vous le dis pour ceux qui n'utilisent pas euh, les, les chiffres, là, mais index, ça, ça va être le 1, 2, 3, 4. Quand on fait des doigtés, par exemple, sur, sur middle d'art on apprend le nom des notes, mais on apprend aussi euh, les doigtés. Donc, euh, index 1. Et c'est aussi des chiffres qu'on va écrire dans les partitions en passant pour vos doigtés. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, le 1, 2 et 3, la flexion, on est presque tout à fait indépendant. Vous voyez un peu lui qui va suivre lorsque je baisse. Euh, mais c'est minime ok on voit que lui il veut baisser un tout petit peu mais essentiellement ils sont grosso modo indépendants <laughs> attention flexion du quatrième doigt par exemple observez bien ici le complot du troisième doigt attention je <laughs> et voilà je baisse mon troisième et mon quatrième suit donc oui mesdames et messieurs vous n'êtes pas seuls <laughs> mon dieu c'est épouvantable les, les euh, j'ai vraiment de la difficulté aujourd'hui avec les commentaires. Euh, ça part, ça revient, ça bug. Il y a vraiment un, un gros problème. Il va que je parle à mon fournisseur par rapport à ça. Mais bref, euh, donc voilà pour ça. Le quatrième doigt n'est pas indépendant du quatrième. On m'a déjà dit que, et encore là, est-ce que c'est la bonne explication? Je ne sais pas. Mais je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. On m a. On m'a déjà dit comme quoi que euh, ça partageait soit le même muscle ou le même tendon, mais bref, ça faisait en sorte que le quatrième doigt et le troisième doigt en, soi, en, en tant que tel se plie tout seul. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas quelque chose que, qui, est, euh, qui est spécifique à une personne. C'est vraiment comme ça. Euh, <laughs> Victoria qui dit et moi il y a des sous-titres la, sur la vidéo. <laughs> Écoute, fantastique. Est-ce que les sous-titres disent la bonne chose? Victoria, je suis vraiment curieux de savoir est-ce qu'ils sont capables d'analyser qu'est-ce qu'un Québécois dit <laughs> et donner vraiment des bonnes explications par rapport à ça. Je suis curieux. Est-ce que ce que je dis ne fait absolument aucun sens? Je suis curieux parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme vous êtes plus nombreux en France, <laughs> tout est fait en français de France et les Québécois là. Et sainte, hein? Les traductions automatiques, là, <laughs> ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà. Euh, alors, on a vu, lorsqu'on baisse le 4, le 3 baisse aussi. Ça, c'est un, 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 un premier petit problème. Ensuite, euh, ah oui, là, vous allez là, vous dire, Ah oh, mon Dieu, oh, mais moi aussi, ça me fait ça. <laughs> c'est normal. Euh, quand vous séparez vos doigts, donc un mouvement d'abduction comme ça ici, OK, et que vous étirez votre commentaire. Et que là, soudainement, vous essayez de replier votre doigt, vous allez voir qu'il <laughs> revient en un seul coup. Ça fait comme un clac. Voyez-vous, ça, ça ça revient pas graduellement, ça revient en un en un seul coup. <laughs> et ça c'est normal, ok. Et ça arrive à beaucoup de gens justement, et surtout je dirais pour les gens qui ont des plus petites mains. Pourquoi? Parce que par exemple, si je place un, deux, troisième doigt et quatrième doigt, euh, et que mes mains sont petites, j'ai tendance à bien sûr, séparer davantage, faire un mouvement d'abduction ou un, séparer mon quatrième doigt pour aller... Et en plus, le faire en extension pour aller chercher le quatrième doigt. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait. Mais dès le moment qu'on enlève le 4, il revient d'un seul coup. Et c'est parce qu'on a à la fois de la flexion du doigt, donc qu'il plie comme ça, et aussi un, un mouvement de justement en... En abduction, c'est-à-dire séparé comme ça, et là quand on replie, bien, ça vient claquer d'un seul coup, et c'est normal. <laughs> et il y a des façons de contourner pour nous aider, parce que le but c'est de rapprocher davantage notre main de notre euh, de notre touche, de manière à ce que notre notre quatrième doigt soit moins en flexion, soit moins en extension, plutôt je devrais dire, euh, moins en extension. Donc, pour l'avoir un peu plus comme ça. Donc, ça vient faire en sorte qu'il qu y a moins le claquement quand on revient en arrière. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous vivez ça, euh, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Pour ceux et celles qui ne vivraient pas ça à la maison, puis qui disent « Ouais, de quoi il parle, lui? <laughs> c'est quoi ça? Euh, » Et ça aussi, c'est normal. En fait, il y a des gens, et c'est drôle, hein, parce que je remarque que c'est vraiment quelque chose qui sépare les hommes et les femmes de manière générale, OK? Euh, les hommes ont tendance à avoir des mains qui sont des fois plus développées. Je, on a beaucoup d'hommes qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la construction, qui travaillent dans, euh, dans des domaines qui sont un petit peu plus physiques, euh, et... Euh, ben justement, ces personnes-là, par la nature de leur métier, pas parce que c'est des hommes ou des femmes, parce qu'au contraire, il y a des femmes qui vont travailler justement dans, dans peu importe le, do le domaine. Mais vous comprenez, par la musculature qui est indue au travail, euh, euh, donc ça fait en sorte que souvent leurs mains est, est beaucoup plus flexible, leurs doigts ont beaucoup plus d'indépendance et ils vont avoir moins ces genres de petits problèmes que je vous ai euh, parlé. Donc, ça aussi, c'est tout à fait normal. Et ça vraiment, ça participe de. Euh, c'est la, muscu, la musculature de la main. Alors, d'autres petites d'autres observations sur notre main. Euh, juste être certain que je vois les commentaires. OK, voilà. Ils ont peut-être cru que je n'y comprenais rien. C'est bourré de fautes d'orthographe, mais c'est compréhensible. <laughs> OK, parfait, c'est bien. Euh, OK, c'est Victoria qui dit ça par rapport au sous-titre. Isaac il dit... Le bug n'est pas euh, que chez toi, GF. Les commentaires disparaissent. La vidéo arrête, repart. Ça, c'est vraiment, vraiment plate. Ça. Hmm. Il va falloir que je regarde ça. Euh, Pikachu dit J'ai des petites mains, mais on m'a dit que j'avais de belles mains pour jouer du violon. C'est très bien. Euh, ça, ça se peut aussi. En fait, euh, on, on le voit quand, quand la main est plus euh, structurée et capable d'aller se placer davantage. Mais il y a aussi la technique qu'on va apprendre. Fait que des fois, c'est moins la main en tant que telle, et c'est plus le fait que par défaut, on a tendance à faire un peu plus la, la bonne technique qui va nous aider justement. Donc, euh, bref, il y a beaucoup de choses. Je continue mes observations. Ça, c'est fait. Après ça. Votre quatrième doigt, par la nature, est tout simplement plus petit que les autres. Il aura donc, naturellement, plus de difficultés à aller atteindre son collant qui est à un ton de distance du troisième doigt. Okay? Et ça aussi, c'est normal. Okay? Parce que le doigt est petit, justement. Donc, faites-vous en pas, j'ai de la misère avec mon quatrième doigt. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas naturel euh, ou quelque chose qui est, qui est spécifique à vous. Okay? Des fois, on a cette tendance-là à penser que mon Dieu, je dois être mal fait pour, pour jouer du violon, c'est pas ça. Ensuite, ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Okay. Faites l'exercice suivant. Vous allez essayer d'étirer votre quatrième doigt. Euh, le plus loin possible. Et observez votre troisième suivre, votre quatrième suivre, euh, votre deuxième suivre et peut-être même votre premier doigt. OK? Essayez ça. Étirez votre quatrième et observez les autres doigts qui vont suivre comme ça ici. Un autre complot démasqué! <laughs> Parce que notre main, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une mécanique qui est fixe. Okay? On a des relations entre les muscles à l'intérieur de la main, on a des relations dans les. Euh, dans les, les de, euh, bon, exactement, le rendu là, je ne sais pas, là, mais <laughs> la peau, la palme qui relie les doigts, si j'en étire un, il y a de la peau qui, qui tire sur l'autre doigt aussi. Donc, vous voyez qu'est-ce que je veux dire quand on parle de la palme, on parle vraiment de cette espèce de, petit, de petite peau entre les, entre les doigts. Là. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, qui est justement, on dirait le dernier, le dernier vestige de notre époque d'amphibien. <laughs> je ne sais pas si on était, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même? On a, on a justement la petite peau comme ça, puis on dirait que les doigts sont palmés un peu. <laughs> euh, donc voilà pour ça. Alors, quand on étire troisième ou quatrième doigt, justement, premier et deuxième doigt euh, avance. Oui, Julie, les tendons, effectivement, ça peut être les tendons, les muscles. Justement, le but, c'est de dire que tout ça est en relation dans notre main. Donc, ce n'est pas comme une mécanique. Il ne faut pas penser que nos doigts vont agir comme une machine. Ce n'est pas parce que je pense à mon quatrième doigt que seulement le quatrième doigt va bouger. Et ce n'est pas non plus parce que je recule mon premier doigt que seul le premier doigt va reculer. Faites l'exercice à la maison. On va faire la chose suivante. Je vais reculer par l'arrière mon premier doigt et en même temps, je vais essayer de le tasser un peu de côté. Et observez comment mon deuxième doigt, lui, va suivre automatiquement. Et ça, c'est commun à tout le monde. On le voit. C'est des, des mouvements naturels de la main. Est-ce que ce sont des mouvements naturels qui sont plaisants? Pas pour un violoniste, parce que ça vient nous créer des problèmes, mais c'est naturel. Alors, il faut en prendre conscience de ces choses-là. Parce que si justement je veux étirer mon quatrième doigt ou reculer mon premier doigt, ou par exemple, si je viens coller mon deuxième sur mon 1, comme ça ici. Voyez-vous, là, je prends mon deuxième doigt, mon, mon majeur, je viens le coller sur l'index. Observez comment le 3 et 4 vont, vont interagir. Ils vont se déplacer un tout petit peu. Okay? Donc, ça aussi, c'est naturel. Donc, dès le moment qu'il y a un mouvement, ce qu'on peut résumer, un mouvement d'avancer vers soi avec les doigts. Par exemple, j'ai mon violon sur mon épaule, j'avance mon doigt, les autres veulent avancer aussi. J'ai un doigt de mettons qui va reculer, les autres vont vouloir reculer aussi. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle justement les mouvements naturels de la main. OK? Alors, euh, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Euh, et une autre chose qu'on peut, on peut voir et on peut observer sur notre main, c'est que si, admettons, on prend notre main on laisse les doigts tomber, tout simplement naturellement, okay? on détend notre main, OK, au, au, au vraiment le plus détendu, aucune tension, aucune... Bon, on, on observe une chose. Nos doigts sont tous collés ensemble, OK? Vous avez remarqué aussi que quand on détend, la main se referme, n'est-ce pas? OK? D'ailleurs, une des choses, et là, on, on pourra théoriser sur le pourquoi, mais une des choses que les bébés font, et peut-être certains ont la réponse justement, les bébés ferment leurs mains beaucoup. Hein? On voit ça, on n'a qu'à mettre notre doigt dans la main d'un bébé pour que le bébé nous la tienne. Et là, on trouve ça vraiment cute et le fun. Mais il y a quelque chose de naturel là-dedans. Il y a quelque chose de se refermer sur soi qui est très humain, qui est très normal et qui vient dès notre enfance. Donc, d'avoir des doigts qui sont collés ensemble, c'est naturel. Faire des mouvements où on, on écartille les, mains, les doigts comme ça, ça, c'est pas nécessairement naturel. Quand on... Quand on, on justement, on... Fait de, euh, moi, je pense que c'est le terme, c'est abduction, c'est ce que j'ai lu cette semaine, mais bref, quand on sépare nos doigts comme ça, bien justement, euh, ça fait en sorte qu'on fait quelque chose qui n'est pas naturel. Naturellement, la main veut fermer, ce, les doigts se rapprocher et la main fermée. Donc, il y a des choses naturelles aussi qui vont se faire. Pourquoi pensez-vous que le violoniste, je vais mettre mon violon sur mon épaule, pourquoi pensez-vous que par défaut... Lorsque le prof ne vous le dit pas de replacer votre main droite, par défaut, votre main veut se refermer et les doigts s'en viennent comme ça ici, c'est parce que naturellement, notre main, elle fait justement la mauvaise chose. Parce que ce n'est pas ça qu'on doit faire. On doit faire des choses qui sont un peu pas naturelles avec la main parce que bien, justement, notre main n'a pas été formée pour jouer du violon. <laughs> notre main a été formée pour faire des tâches comme prendre des objets ce genre de choses là euh, exemple l'opposition du pouce par rapport aux doigts euh, vous comprenez ce que je veux dire il y a vraiment la main était faite pour faire des choses jouer du violon est une construction par la suite on a décidé qu'on faisait une corde et que la corde euh, plus on plus on plaçait les doigts bien, plus ça venait faire des sons aigus ok par, par la nature de ce qui est une corde donc le violon est, est quelque chose la main a des processus naturels qui lui sont propres. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on fait les choses comme la nature le fait que c'est soudainement la bonne chose à faire lorsqu'on lorsqu euh, lorsqu joue du violon. Le violon ne pousse pas dans les arbres, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite. <laughs> okay? Ça serait le fun. Oh, ça serait le fun! OK? Euh, oui, le monsieur ici est parti dans son, dans son imaginaire pendant quelques secondes. <laughs> Je veux des violons. Euh, alors, lorsque vous entendez des professeurs dire, euh, replace ta main pour qu'elle soit plus naturelle, euh, c'est vrai pour certains aspects, mais le, pensez que faire les choses naturellement, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire, comme on a pu le remarquer dans mes dernières 8-10 explications. La main fait des choses qui ne sont pas souhaitables au violon. La main, les doigts ont des complots, <laughs> complotent contre nous, les violonistes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est normal cette chose-là. Maintenant, ce qu'on doit apprendre, c'est comment compenser. Parce que si on a toutes ces belles observations-là, puis on se rend compte que nos doigts font des trucs bizarres comme cela. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Voilà, c'est fait. Euh, Bien, à ce moment-là, il faut, il faut trouver des, des solutions, il faut trouver des façons de faire. Je vais prendre deux secondes pour essayer de, de lire les commentaires euh, que je peux voir en ce moment, euh, parce que je ne veux pas non plus vous, euh, euh, vous perdre en cours de webinaire. Et justement, mon but, c'est de vous répondre aussi à vos questions. Mélanie qui dit, quand je plaque les quatre doigts, si je veux lever le quatrième doigt, le 3 suit. Ah oui, ça, je l'avais lu tantôt, pardon. Euh, euh, Mickey, oui, ça, c'est des choses que j'ai vues tantôt. Isa, euh, non. Oh, je, je revois des vieux commentaires, mon Dieu. Euh, voilà, je vois encore des vieux commentaires. Euh, on est, est 31, je vois des commentaires. OK, ben, je, parfait, c'est beau. Sophie écrit, euh, est-ce que jouer de la guitare peut nous aider à rendre nos doigts plus agiles et mieux pour jouer du violon? Réponse, Sophie, non. <laughs> OK. Yeah. Pas nécessairement parce que ça peut ne pas aider avec la guitare. C'est vrai que la guitare peut nous aider au niveau de la musculature. Mais, et là c'est vraiment important de le comprendre, la technique du guitariste est vraiment très très loin de ce qu'on veut faire au violon. Ceux avec qui j'ai eu le plus de problématiques à travailler la technique de la main gauche dans ma carrière de violoniste, ce sont les guitaristes. Je ne dis pas que ce n'est pas facile de, de le faire, mais l'habitude de traiter, si vous voulez, le, le, le manche du violon comme un manche de guitare, elle vient instantanément au, au, au euh, guitariste. Et malheureusement, c'est la mauvaise façon de tenir notre main gauche. Ça ne nous aide pas. Okay? Euh, c'est la même chose pour euh, moi qui est violoniste. Ma femme joue du violoncelle de manière amateur, pour le plaisir. Euh, donc, elle s'est acheté un violoncelle. Euh, et puis... Euh, moi, je tiens mon archet exactement bien. Quand j'ai voulu jouer du violoncelle, je tenais mon archet comme un violon. Euh, et ça, me fait, ça faisait en sorte que ça, les sons n'étaient pas de la bonne façon. Elle me montrait une autre façon de tenir mon archet euh, qu'elle avait appris chez son professeur. Et effectivement, ça aide parce que c'est vraiment une autre façon de faire les choses. Donc, est-ce que ça aide? Il y a un danger avec la guitare, justement. C'est qu'on va voir la technique sous les yeux du guitariste. Or, la technique se fait différemment pour le violoniste. Ceci dit, pour la simple musculature de la main, effectivement, ça peut aider. Donc, tu vois un peu mon, où, où, où je vais. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Là. Il y a une nuance là, dans ma réponse. Euh, voilà. Euh, oui, Nadia qui dit, il y a un souci avec, euh, avec le chat, effectivement. Euh, Pikachu qui dit, question, jouer de la main gauche ou droite? Ben en fait... Euh, quand on joue, euh, ben, la main gauche va aller, euh, dans le fond, euh, sur nos, euh, sur notre touche. Donc, on va placer nos doigts justement sur notre violon, comme ça ici. Et notre main droite va s'occuper de l'archet. Euh, et même, euh, je dirais, pour 99% des gauchers aussi, euh, on ne change pas le côté parce que le gaucher va juste avoir plus de facilité d'une main que d'une autre. De toute façon, c'est deux mouvements différents. Donc, ce n'est pas comme si on avait un mouvement à choisir et qu'on qu faisait seulement d'un côté. Donc, on n'a pas une main qui est, euh, qui est importante et l'autre qui ne l'est pas. Les deux sont importantes. Donc, le gaucher va avoir plus de facilité d'un côté, le droitier de l'autre. Donc, ce n'est pas, euh, pas nécessairement une problématique. Je continue. Alors, premièrement, avant même de parler à ce qu'on peut faire pour, pour régler les problèmes que j'ai dit au début euh, du webinaire. Parlons de quest ce qu'on peut faire avec notre main euh, pour nous aider justement à développer notre musculature, qui par la suite va nous aider justement aussi à avoir une technique, plus, une bonne technique plus facilement et qui va régler, euh, je dirais, 50% des problèmes. Il y a la technique qui vient régler des problèmes. Donc, bien, comment bien tenir sa main, comment tourner sur le, le violon, les doigts au-dessus de la corde, etc. Euh, donc, la technique va régler beaucoup de problèmes, mais la musculature de notre main aussi, parce qu'elle va rendre les choses plus faciles, va régler d'autres problèmes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour muscler, pour préparer notre main euh, Et je le dis parce que certains violonistes professionnels vont m'écouter, ils vont dire Mais voyons donc, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Euh, les doigts se placent, il faut simplement avoir la bonne technique. C'est pas vrai. C'est vrai pour un violoniste professionnel qui travaille 6 heures par jour, 8 heures par jour, qui est toujours en train de jouer du violon. Ta main est déjà prête. <laughs> Mais pour Monsieur, Madame, tout le monde qui n'a jamais joué, des fois, euh, ça peut être une bonne chose que de la muscler au départ. Donc. Ce n'est pas parce qu'un violoniste professionnel ne fera pas les exercices que je parle là qui ne seront pas utiles pour le commun des mortels qui commence au violon. Donc faites attention à cela euh, et pensez à, à différents exercices. Le premier que, que je vais vous parler, imaginons qu'on a une table. Là, je vais prendre mon livre. <laughs> imaginons qu'on a une table, OK? On va mettre notre main, si vous voulez, euh, et notre bras aussi. Je ne veux pas que le bras soit comme ça, mais vraiment du, euh, au niveau de la main, OK? Et on va replier les doigts, faire une flexion avec les doigts pour que les doigts arrivent exactement comme en araignée, si vous voulez, euh, à la verticale par rapport à la table. Et ce que vous allez faire, vous allez indépendamment avec chacun de vos doigts faire toc 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 comme ça sur votre table. Et le but, c'est de faire évidemment, il faut avoir les ongles courts, encore une fois, hein, parce que ce n'est pas l'ongle qu'on veut qu'il fasse toc toc, c'est le doigt. Donc on vraiment on coupe nos ongles encore une fois. Alors toc 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 là en ce moment c'est mon ongle parce qu'ils sont un petit peu trop longs. Vous voyez le doigt comme ça, et le plus difficile, ça va être l'annulaire. L'annulaire, là, va avoir bien de la difficulté. Même le petit doigt risque de faire un meilleur travail que l'annulaire qui risque d'être bloqué. Et ça, vous pouvez faire ça, justement, toc, 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 sur chacun des doigts, euh, de manière à, justement, travailler euh, l'impact de vos doigts, la, leur capacité à tomber sur la corde euh, avec, euh, avec euh, comment je pourrais dire ça, avec suffisamment d'impact. Faut pas, on ne veut pas faire exploser nos doigts, <laughs> mais on veut que nos doigts découpent bien lorsqu'on va jouer. On veut qu'ils tombent avec assurance euh, et que lorsqu'ils bloquent la corde, la corde est bloquée. La corde n'est pas bloquée lentement parce que notre doigt appuie, appuie euh, graduellement dessus. On veut, on veut pouvoir avoir une bonne découpe. Donc, on veut faire en sorte que quand nos doigts tombent, la corde est bloquée. Donc, euh, et encore là, je ne parle pas de peser fort. Dans tout ce que je vais dire aujourd'hui... On garde notre main toujours, toujours détendue. Mais on, ce qu'on veut faire dans le fond, c'est simplement que le doigt arrive avec, euh, avec aplomb. Genre, on, disons cela comme ça. Donc, l'exercice du piano, comme ça. Euh, pourquoi j'appelle ça l'exercice du piano? Parce que les pianistes font cet exercice-là aussi, pour pouvoir que leurs doigts enfonce bien la touche euh, et que ça soit clair et bien démarqué. Okay? Euh, donc, ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Opposition du pouce euh, et des autres doigts. Euh, Voici, vous allez prendre une, une balle de stress. Là, c'est un, une balle, de, t'sais, une, pla, une balle en mousse. Oups, excusez-moi. C'est une balle en mousse, euh, tout simplement. Euh, là, elle est en forme de Lego parce que, parce que <laughs> pourquoi Parce que euh, c'est l'explication favorite euh, de ma fille. Favorite, 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 euh, favorite de ma fille de trois ans et demi. Donc, parce que. <laughs> Pourquoi? Parce que. Alors, les doigts, on les met en opposition comme ça. Pousse et l'autre doigt, et on fait juste peser comme ça. Vous allez voir, si on fait ça avec notre main, facile. Par contre, si on va au bout des doigts et que là, on va faire justement un mouvement d'opposition des doigts comme ça. On va travailler vraiment le, toute notre stabilisation de la main pour chacun de nos doigts. On veut toujours que ce soit avec le pouce qui, est, qui vient à l'opposition de chacun des doigts, comme ça ici. Oups, le pouce avec l'opposition des doigts. <laughs> Pikachu qui dit une Pokéball, ça peut marcher aussi. Euh, <laughs> je ne sais pas. <laughs> je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas c'est quoi. Euh, je, je sais que tu es Pikachu. Je vois la photo de Pikachu. Je sais que Pikachu, euh, il faut l'attraper. 4, je, je, quatre, je mort! Euh, mais je ne connais pas, je pourrais pas te dire. <laughs> je ne sais pas. Mais euh, euh, si ta balle euh, en tant que telle est en caoutchouc euh, et que c'est justement une balle de stress, comme ça, je ne parle pas des balles de stress en métal, là, une balle de stress comme ça. ça peut aider. OK? Donc, des c'est comme ça. Ensuite, un petit élastique entre vos doigts. Le plus petit, euh, ben, un, un élastique, mettons, de 3 ou 4 cm. Et on étire. Entre les doigts, comme ça. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Ça, là. On prend toujours le pouce, et encore là, l'opposition, on vient avec un élastique étiré. C'est drôle, hein? parce que je le mime en même temps. <laughs> Donc, ça peut aider, ça, justement, à travailler nos, nos, nos muscles. Après ça, d'autres petites choses qu'on qu peut faire. Bon, là, vous allez, vous allez rire, parce que la plupart des gens, ils n'y arrivent pas au premier coup, mais c'est très, très formateur. C'est très bon pour les doigts. Vous savez que, comme on a la main qui est tournée vers le, le violon, bien à ce moment-là, souvent ce qu'on va vouloir faire, c'est justement séparer nos doigts. Donc, un mouvement, comme je disais, d'abduction ou un mouvement où on, on sépare les doigts comme ça. Donc, pour travailler justement euh, à ce que nos doigts se séparent comme ça ici, euh, on veut avoir justement, on veut pouvoir faire ça ici. Moi, j'appelle ça passer le doigt d'une place à l'autre. Donc, on on vient placer comme ça ici, ça donne l'impression que le doigt se déplace d'un groupe à l'autre, mais dans le fond, c'est juste de bouger nos doigts. <laughs> et là, je sais, on est tous à la maison comme ça, vos chums sont en arrière de vous, mesdames, puis ils sont comme qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi pourquoi elle fait ça <laughs> Si vous avez l'impression que vous vous sentez que vous avez l'air fou et qu'on vous juge en ce moment, dites, écrivez votre prénom et écrivez on me juge actuellement. Je suis curieux de voir. <laughs> Pourquoi? Euh, euh, voilà. Donc, euh, on voit, hein, exercice comme ça ici. Euh, Linda dit « Est-ce qu'il faut faire cet exercice pour les deux mains ou juste la main gauche? » Honnêtement, beaucoup plus la main gauche. Euh, la main droite, si tu sens que tu as des limitations de, de force aussi dans ta main droite, tu peux le faire, mais c'est moins important que le travail de la main gauche. Le travail de précision et d'étirement des doigts là, de la main gauche est beaucoup plus euh, important. Donc, euh, je dirais, et souvent pour les droitiers, euh, on est plus nombreux aussi les doigtiers. On a, on a tendance aussi à... Euh, comment je peux dire ça euh, On a tendance euh, à avoir une main gauche qui est un peu moins utilisée, justement. Et donc, on a, une, on a un problème de musculature. Donc, souvent, c'est la main inverse que celle qu'on utilise par défaut euh, qu'on devrait travailler aussi. Donc... Euh, exercice comme ça de, de passer le doigt d'un groupe à l'autre, vous le voyez, qu'est-ce que je veux dire. L'exercice, moi j'appelle ça l'exercice Spock aussi. <laughs> Longue vie et prospérité. <laughs> okay? Donc, l'exercice de Spock, qu'est-ce que c'est Comme ça ici. Oh, j'aime ça, les gens commencent à écrire s'ils se font juger. Ah oh, ça c'est drôle, attends un peu. <laughs> Victoria écrit On me juge Mon fils de 3 ans me regarde bizarrement. <laughs> je te comprends, je sais. Euh, les, mild les mildoristes euh, sont, sont vraiment jugés par les, euh, les autres. Barrez vos portes. Nous sommes entre nous euh, et on se, on, on, se, on se tient solidairement. <laughs> euh, euh, Marie, euh, deux grands yeux étonnés me jugent bizarrement en ce moment. Pourquoi? <laughs> Diane, tu t'amuses, mon GF, de te moquer de nous. Oui, <laughs> je m'amuse vraiment très bien. Euh, ok, alors. On continue. « Mes chiens sont inquiets. <laughs> » Isabelle écrit « Mes chiens sont inqui inquiets. » Alors, OK, on continue. L'exercice de Spock, right? Comme ça ici, on étire. Et là, on va faire l'inverse. On va prendre les deux doigts euh, du centre et les rapprocher. Et on va juste passer de ça à ça, à ça. Ça, 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 ça. ça. Passer d'un à l'autre comme ça ici. Ça, mesdames et messieurs, c'est 100 euh, utile pour un violoniste. 100 utile. Et ce que vous allez remarquer aussi, c'est que tous les exercices que je vous ai donnés, ce sont tous des exercices que vous pouvez réutiliser. C'est tous des exercices que vous pouvez faire facilement pendant que vous écoutez, par exemple, Netflix. Okay? Donc la prochaine fois que votre pour les, pour les jeunes, petit truc comme ça, la prochaine fois que votre père ou votre mère vous dit Hey, va pratiquer ton violon là! lâche Netflix! Tu pourras dire non papa, non maman. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train de pratiquer mon violon. Regarde. <laughs> Mais je le fais en, en écoutant Netflix là, pour m'occuper l'esprit. Mais non, je travaille mon violon. <laughs> Donc, bref, on peut faire ça tout le temps. Dans le bus, on peut... On, on, ces jambes d'exercices de, comme ça qui nous aident euh, et, qui vont et qui vont venir euh, par euh, <laughs> le webinaire du jour. Complot et signe secret. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Donc... Euh... <laughs> bien Julie, euh, effectivement c'est ça. Euh, Shirley qui dit, JF euh, continue de dépouiller sa fille de ses jouets. <laughs> J'adore ça. Ok, euh, je, oh, euh, Pikachu qui dit je force plus de ma face que euh, plus de ma face que de mes doigts. <laughs> Christian Louis pas évident ce dernier exercice. Euh, tout à fait. Euh, Elisabeth qui écrit impossible. Et vous voyez. Ces exercices-là, si vous avez de la difficulté, c'est la différence qu'il y a en ce moment entre euh, euh, votre état de violoniste débutant et euh, vous voyez un, un violoniste qui joue depuis, euh, justement, écoute, j'ai 36 ans maintenant, donc euh, ça fait 32 ans que je joue du violon. Donc ma main gauche n'a plus ces problématiques-là, là, ça c'est facile. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ce sont des choses qu'on fait au violon. Euh, et justement, quand on va venir, euh, par exemple, faire un... un un ré dièse sur la corde de la, on va vouloir pousser notre troisième doigt pour aller le monter proche du quatrième doigt. Mais ça, essentiellement, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement sur le côté, comme ça, un mouvement d'abduction. Donc, le fait de faire comme ça ici, vous voyez qu'est-ce que je veux dire Ce genre de choses-là. Ça, là, c'est le sixième groupement au violon. Hein? Quand, on, euh, quand on parle, en tout cas, dans, euh, chez Mildor Violon, nous apprenons les groupements. OK euh, les groupements sont justement une technique pour travailler notre justesse au violon. Donc, on parle de premier groupement, deuxième groupement, troisième groupement, quatrième groupement, cinquième et sixième groupement. Et, et on le fait sur le manche. Je vous le fais une, une fois comme ça ici pour vous montrer qu'est-ce qu'il qu qu en est. Attention. Cette pause est une présentation de mon archet. OK. Alors, on commence. Vous avez vu, les tons et les demi-tons se sont déplacés, les doigts se sont, sont mis à jouer collés, décollés, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle faire des groupements comme ça, grouper les doigts d'une certaine façon, de manière à, à créer nos tons et nos demi-tons qu'on va réutiliser dans nos pièces. Genre d'exercice que, que je travaille vraiment beaucoup avec euh, les musiciens, justement, qui, euh, qui sont abonnés à, à Mildor Violon. Donc, on a un chapitre complet sur les groupements. Mais justement, c'est que tous ces mouvements-là qu'on a vus euh, venaient justement des mouvements de flexion, extension, euh, abdu abduction et adduction. Donc, on, 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 on pense vraiment que ces exercices-là que je vous ai donnés de musculation sont 100% reliés à ce que vous allez faire au niveau euh, de, de, du violon. Ma, <laughs> ma mère, Diane, qui est maintenant violoniste, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle, elle écrit maintenant, elle dit « Ton dernier exercice est le pire, j'ai mal. <laughs> » Écoute, euh, désolé maman, euh, je, je suis un fils ingrat euh, et... Euh, « et, et je fais tout pour que tu aies mal, semble-t-il. <laughs> non, non. Euh, » Christian-Louis qui écrit euh, « 35 ans de plus pour atteindre ton expérience, c'est craignose pour moi. <laughs> » ben, Vous savez, l'important, c'est n'est pas nécessairement d'atteindre la finalité. Le but, c'est d'avoir du plaisir, je l'ai toujours dit, pendant qu'on fait. Par contre, on peut s'aider avec des exercices comme ça. On peut s'aider... Euh, oubliez jamais, hein, le but c'est d'avoir du fun. Si vous n'avez pas de fun, ne jouez pas du violon, faites d'autres choses. <laughs> allez, allez faire quelque chose de, de plaisant. <laughs> c'est tout. Euh, mais si vous avez du plaisir à faire du violon, justement, ben de faire des exercices pourrait vous aider à avoir encore plus de plaisir, effectivement. OK. Euh, voilà pour ça, pour les différents exercices. Maintenant, on reprend chacun euh, euh, des, des problèmes, chacune des problématiques du début et on se donne des pistes de solutions. Okay? Êtes-vous prêts? Mais avant cela... Je veux vous parler un petit peu, et ça va prendre, je ne vais pas prendre énormément de votre temps, là, deux minutes, ok? Je veux vous parler de Mildor Violon. Je veux vous dire comme quoi qu on a un programme qui est monté pour vous aider à faire ce genre de choses-là. Ça s'appelle le programme Violoniste Débutant, euh, qui, euh, qui inclut deux choses principalement. Premièrement, vous avez... Des tutoriels vidéo où, on, où je vous explique, un peu comme, comme on fait en, en ce moment, mais euh, où je vous explique euh, la bonne technique à faire. Euh, je, vous, je vous apprends les pièces, etc. Euh, je vous parle de la théorie musicale, etc. Donc, tout ce qui est, toutes les choses que je, suis, que je répète à tous mes élèves, je les ai mis sous forme de vidéo de manière à ce que vous puissiez avancer par vous-même. Et bien sûr, on, on a des questions au moment donné qui vont au-delà peut-être des, des tutoriels vidéo. Donc, vous avez aussi des rencontres possibles avec un, moi ou des professeurs. Euh, on, quand, là, on est deux et bientôt, on sera trois professeurs bientôt, et, et bientôt quatre professeurs. Euh, Mildor Violon va devenir une plateforme pour des professeurs qui ont passé ma certification, donc, que je sais qu'ils enseignent de la bonne façon et selon mes standards de qualité personnelle. Donc, si vous aimez ma façon d'enseigner, de, de, vous pouvez être en confiance que les professeurs qui sont sur la plateforme de Mildor Violon vont enseigner. Bon, évidemment, ils ont chacun leur style, leur technique, mais quand même, ils vont enseigner selon la même vision. OK? Donc, euh, essentiellement, c'est ça, vous allez voir des, des process ajoutés. Donc, vous avez à la fois des tutoriels vidéo et vous avez aussi euh, des rencontres euh, via Skype. Ça peut être seulement un, seulement l'autre ou une combinaison des deux parce qu'on a différents forfaits. Bref, je veux vous donner un peu un aperçu de, de ce que ça donne. N'hésitez pas si vous voulez aussi simplement, ponctuellement, prendre un cours pour vérifier un aspect. Je le fais souvent et c'est très bien ainsi aussi. Donc, vous pouvez aller sur milledorviolon.com. Euh, je vous montre un aperçu du cours violoniste des débutants et tout de suite après, on règle les problèmes qu'on a, qu a montrés au début, au tout début euh, du euh, webinaire. Donc, on se, re, on se revoit tout de suite après cela. Bonjour aux futurs violonistes. Si vous rêvez de jouer du violon, le site mildorviolon.com a exactement ce qu'il vous faut. Des cours en ligne pour apprendre le violon chez vous, à votre rythme et selon votre horaire. Tutoriels vidéo, partitions, accompagnement pour apprendre solidement les bases du violon. Cliquez simplement sur « S'inscrire au cours » et jouez enfin du violon comme vous en rêvez. Tutoriels vidéo, partitions, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com. Je trouve ça assez drôle de, de revoir la promo parce qu'à la fin, il y a le petit logo de Skype. Au début, nous faisions des cours par visio avec Skype. <laughs> Maintenant, c'est un système automatisé. On se retrouve sur Google Meet. Vous prenez les rendez-vous tout simplement par vous-même. Vous choisissez le jour et l'heure et vous rencontrez le professeur quand ça vous chante par rapport à votre horaire. Donc, bref. Euh, beaucoup de choses sur Mildor Violon et je remercie beaucoup Sophie qui dit c'est une bonne nouvelle de voir Mildor Violon se développer comme ça, félicitations, merci beaucoup et je tiens aussi à vous remercier pas nécessairement parce que je trouve le commentaire gentil mais parce que ceux et celles qui sont en ce moment sur le webinaire c'est grâce à vous si justement on peut euh, se développer, prendre de, de, prendre de l'expansion aussi et que Mildor Violon graduellement euh, devient euh, une entreprise plus importante. On est vraiment 100% dédié et on va le rester à ce que les gens se sentent épaulés, se sentent supportés dans leur apprentissage du violon. Non, vous n'êtes pas des numéros. Chaque question qui m'est me, qui envoyée, je, je m'assure que vous ayez une réponse complète. Je m'assure que vous, que vous ayez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez des tutoriels vidéo qui nous ont pris trois ans à faire. Vous avez des rencontres via Skype avec des professeurs qui sont certifiés. Donc, bref, je veux que vous vous sentiez supportés dans votre apprentissage. C'est vraiment là que c'est est essentiel pour moi. Maintenant, fin de la parenthèse, on revient à notre sujet du jour. Euh, euh, Linda qui dit c'est très, très bien fait, les cours la, euh, en live et les capsules. Merci beaucoup, Linda, très gentil. Euh, donc, on revient à mon sujet. Euh, euh, j'ai de la... Ok, alors, les problèmes qu'on avait au début. Okay? Euh, j'ai de la difficulté avec mon quatrième doigt. Mon quatrième doigt n'arrive pas à s'étirer assez. Parfait. En passant, j'ai fait des webinaires juste sur ça. Donc, si ça vous intéresse... Euh, ça s'appelait Maîtriser le quatrième doigt. Et vous pouvez tout simplement aller voir ça. Euh, les, les anciens webinaires, vous pouvez aller les voir sur youtube.com/baroblique C/baroblique Mildor Violon. Ils sont tous là, les webinaires. OK? Et euh, je ne sais pas si je vais les laisser ad vitam aeternam, mais pour l'instant, tous les, les 74 webinaires que j'ai fait, parce qu'on est rendu, mesdames et messieurs, au 74e aujourd'hui. <laughs> Incroyable! 74! Euh, ils sont tous là-dessus. Alors. J'ai de la misère avec mon quatrième doigt. Je n'arrive pas à l'étirer. Spécialement, Jean-François, sur la corde de ré ou la corde de sol, la pire, la corde de sol. Qu'est-ce que je fais, Jean-François, pour justement venir compenser le fait que mon, mon petit doigt, comme on a vu, il est petit. Hein? Mon auriculaire est petit. Et en plus... Lorsqu'il est en abduction, il peut claquer. Donc, et en plus, le troisième doigt veut suivre. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en sorte, faire en sorte qu'on a une problématique. Alors, premièrement, c'est pour ce, comment on fait. C'est on, on vient, on vient placer notre main bien droite au fond, bien sûr. On veut avoir le pouce en crochet comme ça ici, l'index qui ne dépasse pas la touche. Et une fois que notre main est bien au fond, on ne la laisse pas là. <laughs> on va tourner notre main graduellement. Vers notre manche, c'est plus difficile, ça risque de tirer ici au début, c'est normal, d'où le fait de faire des exercices de musculation aussi. On tourne la main comme ça par-dessus euh, notre manche. On va venir, on peut aussi, vous voyez, en, en tournant la main vers le, le manche comme ça ici, on rapproche, le, essentiellement, on rapproche le quatrième doigt du manche. Donc là, on, on vient gagner quelques centimètres. On peut prendre notre, notre coude sur le violon et justement le, le ramener de ce côté-là, faire le pendule qu'on appelle, donc le 4 se rapproche de notre touche. On peut aussi faire en sorte que. Euh, Qu'est-ce que je me suis écrit? Oui, oui, oui. Et on s'assure, ouais, c'est ça. Le dos de notre main reste toujours droit et on veut avoir les doigts qui sont comme ça, le plus possible au-dessus de la corde. Okay? Et juste ça, ça va nous aider justement à rapprocher notre quatrième. Pourquoi Parce que, et après ça, bien sûr, lorsqu'on veut aller placer notre quatrième doigt, on peut faire des mouvements d'extension du quatrième doigt euh, et d'abduction, c'est-à-dire on, on, on le sépare du troisième doigt comme ça ici. Et toute cette combinaison de facteurs-là, main droite, main tournée vers le violon, épaule sous, euh, sous le pendule sous le violon, euh, flexion, abduction comme ça ici des doigts, va faire en sorte qu'on devrait arriver... On n'arrive même, euh, même pas rond. On arrive à peu près comme. Je vais vous le montrer comme ça ici, vous le voyez. Il n'est pas euh, le doigt comme les autres qui arrive vraiment carré d'une manière euh, très claire. Il arrive presque à plat, mais pas à plat. Il arrive avec une légère courbe comme ça. Et c'est à peu près le maximum qu'on peut faire. Peut-être que vous avez un petit doigt plus long que d'autres. Peut-être que certains auront un petit doigt qui arrive un peu plus carré. Ce n'est pas mon cas. J'ai quand même des petites mains euh, et euh, oui. Donc et c'est même surprenant quand on, quand on me rencontre. J'ai pas des mains de, de tu des grandes mains de pianiste là. Des fois qu'on m'envoie, j'ai des petites petites mains. Euh, et mon petit doigt est, est court et raccourci aussi. Donc euh, vraiment, j'ai besoin d'utiliser ces astuces là pour y réussir. Plus et bien sûr la musculature de la main qui s'est développée à force de jouer du violon, effectivement. Bon, donc voilà pour ce qui est du quatrième doigt. J'ai aussi, comme je vous dis, un webinaire qui est entièrement sur le quatrième doigt. Donc, si vous voulez aller plus loin euh, pour les explications, mais effectivement, vous pouvez euh, aller là-dessus. Continuons avec un autre problème qu'on a parlé au début. Mes doigts s'aplatissent. <laughs> ça, j'aime ça. Mes doigts s'aplatissent. Je place mes doigts sur, mon, sur ma touche et soudainement, mes doigts deviennent plats comme ça ici pendant que je joue plusieurs choses à vérifier pour vous aider. Premièrement, bien important encore, le pendule. Pourquoi Pour avoir les doigts plus au-dessus de la corde. Si on fait le pendule, là, je vais vous le montrer euh, comme ça sur le côté. Si je prends mon... Ma main, okay, elle est au fond, comme ça, mes doigts sont... J'essaie de les mettre au-dessus de la corde, mais je, peux, je vais prendre mon coude, puis là, je le penche comme ça ici. Vous avez vu que les doigts sont au-dessus de la corde. Si les doigts sont au-dessus au de, de la corde et qu'ils n'arrivent donc plus à la verticale sur le violon, bien, automatiquement, ils risquent de moins tomber. Hein? Comment ça, Jean-François? C'est simple. Je l'ai montré d'ailleurs à, à une élève cette semaine, mais euh, imaginez que <laughs> je suis un doigt, OK? <laughs> J'arrive comme ça sur la touche, OK? Et que là, soudainement, j'ai un mouvement naturel qu'on. Euh, je, je viens plier mon deuxième doigt et là, mon troisième doigt euh, se, laisse, se laisse aplatir comme ça. Vous voyez que si je suis déjà sur le côté et que moindrement, j'ai un petit mouvement qui ne euh, m'aide pas dans le mauvais sens, je vais tomber. Okay? Si j'arrive, par exemple, à la verticale, je suis vraiment comme bien vertical. S'il y a un petit mouvement qui va aller de ce côté-là, je vais rester en place, par exemple. Donc, vous voyez l'importance que les doigts arrivent à la verticale. Euh, donc, euh, avec mes jeunes élèves qui commencent, je, je parle de, des maisons carrées. Donc, vous voyez l'espèce le, de, de doigts qui arrive comme ça, là, bien carré. Vous voyez mal, mais comme ça ici, qui arrive bien carré. Pour que le bout du doigt, la dernière phalange... <laughs> Arrive vraiment à la verticale comme ça ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ça c'est vraiment important. Donc, on veut avoir une main bien droite, tournée vers le manche, au-dessus. Jean-François, tu es en train de me donner les mêmes explications qu'il qu y, qu y a deux secondes pour le quatrième doigt. Ah, tiens donc. Y aurait-il une technique idéale pour jouer du violon? Ah, tiens donc. Vous me suivez? Voilà, les doigts au-dessus de la corde. Euh, important aussi parce qu'on veut éventuellement jouer en double corde. On va avoir un doigt sur une corde et un doigt sur une autre corde. Donc on veut que, y a, que notre doigt fasse le pont par-dessus. Le doigt ne peut pas faire le pont par-dessus si notre doigt est à plat. Donc on va avoir de la difficulté à jouer sur deux cordes et faire deux doigts différents sur, sur deux cordes différentes si justement les doigts sont penchés. Parce que justement, bien, le doigt va bloquer l'autre corde euh, parce que le, le doigt va être aplati. Donc, on ne pourra pas faire exemple. Euh, mettons, que si vous faites un, un troisième doigt sur la corde de Ré et un premier doigt sur le La, il faut que notre troisième doigt fasse le pont par-dessus de manière à ce que notre corde de La soit libérée pour jouer le premier doigt. Donc, si mes doigts arrivent à plat, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous avez vu, la même technique qui nous aidait pour le quatrième doigt, c'est la même technique qui va nous aider aussi pour les doigts qui s'aplatissent sur la corde. OK. Jean-François, je manque de justesse. <laughs> Est-ce que, euh, euh, est que vous avez justement une, 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 des doigts? Ah, je veux, en fait, je vais faire l'autre avant. Euh, l'autre problème qu'on avait. Jean-François, j'ai une main qui avance graduellement vers moi. Intéressant ça. Alors, j'ai une main qui avance ma vers moi. Là, pour les amateurs de Star Wars, je vais faire quelque chose qui va vous rester dans la tête. <laughs> C'est simple. On va mettre notre main au fond et Use the Force, Luke. Okay? <laughs> Pourquoi? Essayez d'imaginer une force invisible qui laisse votre main dans le fond en tant que telle. Okay? Et vous essayez de faire en sorte que c'est comme une force que votre cerveau crée, okay? qui garde votre main dans le fond. Et même si vous avancez votre doigt, vous avez comme un mouvement compensatoire qui dit « Hey, non, reste dans le fond. »« Hey, non, reste dans le fond. » Moi, j'appelle ça la force. <laughs> J'imagine dans ma tête, le, le, le Jedi comme... La main ne bouge pas, tu sais. Mon son de Jedi, c'est... Incroyable, hein? euh, Donc, vous voyez... Comme ça, et puis la main, soudainement, elle est comme, ah, je reste dans le fond, je reste dans le fond. Mais faites la même chose avec votre esprit. Okay? Utilisez votre esprit pour dire, OK, je pense que pendant que je joue, peu importe où je suis rendu dans la partition, j'ai toujours un petit rappel dans mon cerveau. <laughs> Luke, may the force be with you. Oui, dans le fond, comme ça. Comprenez comprenez ce que je veux dire? On essaie de retenir notre main dans le fond. <laughs> C'est lourd, mon affaire. Hein? Bon, alors. Euh, Ensuite, pour la main qui avance vers soi, un autre truc. <laughs> Blueberry qui dit j'adore ton coup, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, un autre, un autre truc à penser, le pouce a tendance toujours à être un peu trop avancé. On ne veut pas que, regardez, je m'en vais sur le côté comme ça ici, on ne veut pas que le pouce soit comme ça. Le pouce doit toujours être égal à notre index. Et même peut-être en arrière, parce que quand on va avoir la main qui va être penchée comme ça sur le côté vous allez voir justement le pouce être plus derrière. Et c'est normal et c'est ce qu'on veut. Si le pouce avance, les autres doigts vont vouloir avancer. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'on s'était dit. Notre main, par défaut, a tendance à vouloir se refermer. Donc, à vouloir aller comme ça vers l'avant. Et dès le moment que notre index a avancé, à cause que notre pouce est allé trop par en avant, bien, à ce moment-là, vous savez, l'index est la base de notre main. Si, admettons, l'index est un peu plus proche de nous, tous les autres doigts aussi sont plus proches de nous. OK? Donc, on veut avoir le pouce qui est dans le fond et s'assurer que le pouce tire la main vers le fond. On veut essentiellement sentir que notre pouce reste toujours proche du sillet. OK? Donc, ça, c'est un deuxième truc pour la main qui avance vers soi. Garde le pouce dans le fond et, au besoin, use the force. Incroyable. OK. Euh, ensuite, ça, c'est fait, je l'ai dit. Euh, ah oui, une autre chose. Si ta main avance vers toi probablement que euh, Nancy veut savoir d'où vient le nom de Mildor Violon. <laughs> OK. L'explication officielle, explication officielle, <laughs> c'est que c'est une contraction de Miladoré. Miladoré. Mildor Violon. OK? Mais la vraie explication, c'est que c'était mon surnom quand je jouais à des jeux vidéo. <laughs> Ça, c'est... Les dessous du nom de Mildor Violon, euh, c'est ça. Donc Mildor, voilà. Donc euh, quand je me suis dit, comment je vais appeler mon entreprise Et moi, avec toute ma sagesse, je me suis dit, hey, j'avais un nom spécial, là, un petit nom personnel, tu sais, Mildor, Mildor Violon. Ça sonne bien. <laughs> c'est ça. Euh... Mais c'est pas grave. Maintenant, vous connaissez Mildor Violon comme étant justement l'entreprise qui vous aide à avancer au violon. Alors. Vous allez remarquer quand votre main avance vers vous, c'est toujours aussi. Remarquez-le, c'est toujours associé à un fait qu'on a fait un mouvement d'abduction qu'on a étiré notre notre quatrième doigt. Quand notre quatrième doigt s'étire comme ça ici ou notre troisième doigt, bref, les deux doigts du, du haut ici. Euh, donc, quand les deux doigts s'étirent, un ou l'autre, on va sentir. On l'a vu tantôt que notre un et deux veulent aussi avancer. Donc, faites la chose suivante. Essayez de faire, parce que votre main va vouloir avancer tout le temps, donc essayez de faire des mouvements compensatoires. Le fait de garder la main dans le fond, Use the Force, oh, euh, ça c'est une chose, mais vous pouvez le faire aussi au niveau des doigts. C'est-à-dire que si votre quatrième doigt s'étire, à ce moment-là, on veut s'assurer que... On use the force pour le <laughs> utilise la force. Je ne sais pas pourquoi je dis use the force, parce que c'est en anglais. C'est la version officielle. C'est comme ça que c'est. Okay. Euh, bref, on, on <laughs> comprenez, On garde le troisième doigt pour étirer le quatrième. Un mouvement compensatoire. C'est ce les, les mots que j'utilise d'habitude pour parler à mes élèves. Tu étires le 4 pour l'amener ici, mais fais un mouvement compensatoire au niveau du troisième doigt pour garder dans le fond. Donc avoir l'impression que, parce que sinon, le quatrième, il va venir. Par contre, si tu dis au troisième doigt, non, reste là, et tu crées un mouvement par là-bas avec le troisième doigt alors que le 4, lui, va par là-bas, dans le fond, tu fais deux mouvements. Et en faisant les deux mouvements, un annule l'autre. Donc, on, on reste immobile avec le troisième doigt. Ça va empêcher le 3 d'avancer, ça va empêcher le 2 et ça va empêcher le 1. Donc, ça risque de moins faire en sorte que votre main graduellement, elle veut, hey, avancer vers vous. OK? Donc, on veut vraiment faire en sorte que justement, on, on fait des mouvements compensatoires pour toujours rester dans le fond. Dans le fond. Le, le fond il est là, comme ça. C'est comme ça qu'on. Le mouvement, là, pour dire dans le fond, c'est comme ça. J'ai. Ah ouais, j'ai l'épaule qui craque. OK. Alors. Donc voilà pour ça. Main qui avance, réglé! Hey, on a troisième, troisième problème de régler et je vais juste aller voir ici euh, vos questions. Vous n'oubliez pas, si vous voulez me parler, écrivez votre nom votre prénom en majuscule suivi de votre, votre question. Shirley qui dit euh, C'est super l'extension de, de ta société. Merci beaucoup, je, Shirley, très gentil. Lise qui écrit euh, Je suis d'accord avec toi. Bon, par parfait, fantastique. Euh, attention ici, j'ai Diane. Nancy veut savoir le nom, ça j'ai répondu. <laughs> Euh, Isaac, il dit Star Wars ou Star Trek, bientôt Stargate. Eh, hey, écoute, c'est vrai, hein? là, j'ai un, un use the force avec, euh, avec Star Wars. J'ai fait tantôt Spock. Vous voyez, euh, vous voyez mes références. Hein? Écoute, euh, moi, je suis, euh, je, suis pas un... je suis les deux. Je ne suis pas un Trekkie ou un Star Warsien. Il y a un nom pour ça? Je suis des deux. Moi, je, je, je veux la paix dans l'univers. <laughs> Tel un Jedi. Euh, alors, on continue avec. Shirley qui dit, euh, je me pose aussi la question du papillon. Ah, le papillon, ah, ben, le papillon, ben écoute, tant, tant qu'à faire, je vais répondre. Bon, ça, c'est pour, pour le nom de Mildor Violon, mais pour ce qui est du, euh, du papillon, euh, en fait, c'est venu d'un projet. J'avais une, une amie, euh, qui est toujours une amie aussi, qui, euh, qui euh, devenait graphiste, puis elle s'est dit, ben, écoute, j'aimerais ça prendre justement Mildor violon comme ça, comme exemple. Euh, puis vous créez un logo. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Euh, essayons là. Puis, euh, euh, en fait, dans le temps, j'étais avec une autre, une autre association de violonistes. Et puis, euh, en fait, elle avait créé le logo, pas pour Mildor Violon, mais pour cette association-là à l'époque. Puis finalement, ils n'ont jamais décidé de l'utiliser. Fait que j'ai décidé de le reprendre pour Mildor Violon. Mais bref, anyway. Euh, et je lui parlais de comment, pour moi, c'était important de voir l'apprentissage du violon comme. Euh, une façon de se dépasser, une façon de s'épanouir, euh, une façon, si vous voulez, de prendre son envol dans la vie, devenir un, un membre de la société par l'apprentissage de euh, la discipline personnelle, mais je, le, 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 se dépasser, le dépassement soi. Euh, euh, et, et dans le fond, je, je lui parlais des valeurs, veux, veux pas, qu'allaient devenir pour moi les valeurs de Mildor Violon. Alors, quand j'ai repris justement Mildor Violon, euh, j'ai repris le logo qu'elle avait fait et justement, elle avait interprété mes paroles par justement l'envol d'un papillon et elle a pris justement le, euh, les, euh, les, les, les deux violons en fait. Pour ceux et celles qui se demandent, en fond, c'est un violoncelle même, <laughs> dans l'image. Mais bref, peu importe. Euh, donc, le, le violon pour en faire un, un papillon et, et, et j'ai trouvé tellement ça. Wow, évocateur. Je me suis dit, ça, c'est le logo de ma compagnie parce que, bon, justement, la, la société avec laquelle j'étais ont décidé de, de garder leur, leur ancien logo, ce qui est très bien. Et donc, moi, je l'ai acheté à, euh, à mon ami Laurence qui avait fait le, le graphique et c'est devenu le logo de Mildor Violon. Bref, euh, voilà. Et j'aime je, je, beaucoup la, la question parce que je trouve que c'est très évocateur d'apprendre une discipline comme le violon. Qu'est-ce que c'est qu -ce que en tant que tel et, et, et qu'est-ce que ça, ça fait chez nous? Vous savez, vous avez certainement lu sur Internet plusieurs fois des gens qui parlent des bénéfices de jouer de la musique. Euh, comment ça vient travailler, par exemple, notre cerveau, comment ça vient euh, nous aider à, à s'épanouir comme individu. comment... Vous avez vu les webinaires que j'ai fait sur les parallèles sport musique aussi. Euh, donc, il y a vraiment des, des, euh, des valeurs qui viennent avec l'apprentissage d'une discipline quand on se met un peu à... À, à voir le, le, le travail d'apprentissage euh, qui, pour moi, me parle beaucoup. Donc, euh, ça vient de ça. Et à un moment donné, c'est devenu « Mille d'or violon ». Je trouvais que ça, ça évoquait aussi cette espèce de, 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 de force de... de c'est pas juste parce que c'était mon, mon nom de jeu, mais... Ça, le, quand je disais Mildor Violon, je trouvais que ça donnait un peu cette espèce de chaleur humaine aussi, cette espèce de, de dépassement de soi, quelque chose, quelque chose de plus rigoureux aussi, quelque chose de... Donc, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? La combinaison m'a donné du logo du, euh, et, et de ce qu'évoquaient les sons quand on disait d'or Violon, ça me parlait beaucoup. Donc, bref, voilà pour la petite histoire, je voulais que vous le sachiez. Euh, continuons avec le dernier problème, mais on va terminer avec ça aujourd'hui. Le dernier problème qu'on a parlé, manque de justesse, Jean-François. Ben euh, Regardons. Premièrement, mettez des collants sur votre violon. Okay? Bien, bien, bien important. Ceux qui n'ont pas de collants diront que les collants sont inutiles. Ceux qui ont des collants vont dire J'ai l'expérience, je sais que ça m'aide. Ça me permet de voir parce que justement, on l'a démontré pendant une heure et demie, pendant une heure et dix. Quand nos doigts se déplacent automatiquement par eux-mêmes, à cause de mouvements naturels de la main, ça vient automatiquement faire en sorte que l'indépendance des doigts n'est est, est pas naturelle, justement. Et comme ce n'est pas naturel, on veut avoir quelque chose qui naturellement est, sont, est toujours au bon endroit pour nous dire où sont les doigts, et spécialement pour les violonistes débutants, parce que l'oreille d'un violoniste débutant n'est pas toujours formée. Certains sont capables d'entendre, d'écouter et de, de faire la bonne note, euh, mais d'autres personnes ont de la misère au niveau de l'écoute. Il y a pas tout le monde qui commence avec une oreille absolue, je peux vous le dire. Okay? Je le dis en connaissance de cause et c'est sans jugement, c'est le principe de on commence. On va la développer notre oreille au fil du temps. Mais bref, si on ne peut pas se fier à notre oreille et qu'on ne peut pas non plus se fier à notre à notre, euh, euh, à, à notre main parce que nos doigts, justement, ont des mouvements naturels dans la main qui font en sorte que les doigts sont sans, sans terre influence. Mais sur quoi on peut se fier On peut se fier justement sur des collants qui sont toujours au bon endroit. Ça va nous permettre de découvrir ces mouvements naturels de la main. Ça nous permet d'analyser ce qui se passe dans notre main, trouver notre, nos problématiques ou nos tendances, et finalement compenser parce qu'on le remarque. Mais si on ne le remarque jamais, parce qu'on n'a pas justement une mesure fiable, donc ça ne fonctionne pas. Je vous remets encore à l'écran, mais vous pouvez aller sur oblique justesse et vous allez pouvoir poser précisément les collants aux bons endroits de manière à avoir un point de référence. Okay? Deuxièmement, euh, on a parlé tantôt de mouvement compensatoire. Si lorsque je recule le 1, le, le, les doigts veulent reculer en même temps, faire un mouvement compensatoire au niveau du deuxième doigt pour que lorsque le 1 recule, par exemple lorsqu'on veut aller faire un sié, un si bémol par exemple sur la corde de la, on a deux mouvements et pas seulement un mouvement. Un mouvement qui recule pendant que le deuxième doigt lui avance vers soi. Donc le mouvement, le deux avance vers soi, le 1 recule. Il n'avance pas vraiment le 2, mais la force nous donne l'impression que, la force, <laughs> donne l'impression que notre deuxième doigt avance, alors qu'on on ne fait que le tenir en place avec des mouvements compensatoires. Donc ça va nous aider justement à aller retrouver notre justesse. Pensez à nos tons et demi-tons. Est-ce que j'ai un demi-ton ou un ton? Est-ce que c'est un, un grand écart ou un petit écart? On l'a vu aussi au début, nos doigts, naturellement, vont se coller ensemble. Ça, c'est la nature humaine. Les doigts sont collés. Donc, un mouvement de un ton, c'est-à-dire séparer les doigts des autres doigts, ce n'est pas naturel. Donc, vous allez toujours avoir un quatrième doigt qui va vouloir aller proche du troisième. Pour, pour vraiment que le quatrième soit juste, ou que le 2 par rapport au 1, ça c'est plus facile, mais quand même le 4 par rapport au 3, ou quand on a justement des espaces de 1 ton entre les doigts, ce ne sont pas des positions naturelles. OK Donc, on veut vraiment penser à écarter les doigts, donc faire un mouvement d'abduction comme on a dit. Euh Ensuite, on peut, et là je fais un gros disclaimer, là, mais on peut appuyer un peu sur les doigts. Par exemple, si je, place, si, si je veux éviter que j'ai un mouvement naturel, exemple, j'étire mon quatrième doigt, le 3 va vouloir suivre, on l'a vu tantôt. Donc, si je veux éviter ça, oui, on a le mouvement inverse, le mouvement compensatoire sur le troisième doigt, mais on peut aussi appuyer un peu sur notre troisième doigt. Et quand je dis appuyer un peu, c'est la force nécessaire pour retenir une feuille de papier. Euh, sans qu'elle ne s'envole. Ce n'est pas plus que ça. Si c'est plus que ça, vous pesez trop. Okay? Bien important. Toujours dans... Pardon. Toujours dans la détente. On veut avoir une main gauche qui est bien détendue, euh, donc des doigts bien assouplis, etc. Euh, on arrive fermement sur nos, sur nos cordes, mais quand je parle de... Non, je ne devrais pas dire le mot fermement. On arrive avec aplomb sur, nos, sur notre corde, mais encore là, c'est tout dans la détente, si vous sentez de la tension. Vous faites quelque chose qui n'est pas la bonne chose. Vous faites quelque chose de mal. OK Enlever la tension dans votre main, ce n'est jamais la solution. Par contre, on peut appuyer. Si j'appuie sur le troisième doigt, ça va peut-être l'empêcher de se déplacer lorsque le quatrième doigt avance. Donc un appui, OK. Appui suffisant pour retenir une feuille de papier pour qu'elle ne parte pas au vent, c'est correct. Un peu plus peut-être, à peine, mais Juste pour dire que, OK, je fais consciemment un petit appui sur mon doigt pour, évi pour éviter qu'il ne se déplace. Oui, ça c'est correct. Plus de tension Non. <laughs> Ensuite, travaillez votre relation premier doigt, quatrième doigt. Vous l'avez vu Je l'ai dit. Quand je tiens le 4, mes doigts veulent avancer. Si je, je recule le 1, mes doigts veulent reculer. Donc, la relation qu'il y a entre le premier et le quatrième doigt, c'est vraiment une relation où si le 1 et le 4 est correct, je vous garantis que le 2 et le 3 sont corrects. Je vous le garantis. Okay? Euh, donc, on veut avoir une, une relation qu'on venait travailler. Donc, faites la chose suivante. Travaillez à la maison pour faire la suivi d'un quatrième doigt et vous plaquez tous les doigts en même temps. Bien important. Déjà dans leur position, exemple avec un premier groupement. Donc, vous irez voir sur miledorvillon.com pour ce qui est des groupements. Mais bref, vous faites la 4. Puis après ça, vous faites tout de suite un 1 pour aller le vérifier. La 4, 1. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? La 4, 1. Et si votre 1 est à la bonne place quand vous avez joué votre quatrième doigt, vous êtes correct. Faites l'inverse aussi. La 1, 4, 1, la 1, 4, 1, la 1, 4, 1, la. Juste ça sur accord de mi, l'accord de la, l'accord de ré, l'accord de sol. Et la relation 1-4 que vous allez avoir développée va vous aider vraiment beaucoup pour après ça les relations. Ensuite, dernier détail, pensez en groupement. Qu'est-ce que ça veut dire penser en groupement? Les groupements, essentiellement, pour ceux qui, pas, euh, qui ne sont pas avec Mille Violon, je vous les mets à l'écran. Ça ressemble à ceci. C'est comment on va placer les doigts les uns à côté des autres de manière à ce qu'il y ait relation de tons et demi-tons. Est-ce que mes doigts sont collés ou décollés? Décollés beaucoup, décollés un peu, à quel point? Donc, les groupements, il y en a six. Comme ça, c'est des formations différentes. Vous voyez, premier groupement, deux et trois sont collés. Deuxième groupement, un et deux sont collés. Troisième groupement, trois et quatre sont collés, etc., etc. Ces groupements-là, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, euh, je vous laisse deux secondes. Le temps de... Il est où le bouton screenshot? Attends un peu. Ah, il me semble qu'il est en haut à droite. Ah, il est en... Oui, là, je l'ai trouvé. Attends un peu. Ne bouge pas, là. bouge pas. Ok, je l'ai, parfait. On est de retour. Salut. <laughs> Donc, bref, euh, travailler par groupement. Penser à notre groupement complet quand on vient placer nos doigts. La relation que vous allez avoir entre le premier puis le deuxième, le deuxième troisième, etc., va faire en sorte que justement votre main va être davantage mieux placée. Si... J'ai une très mauvaise phrase, mais c'est pas grave. Euh, comprenez, hein. Pensez en groupement, ça va aider à vos relations entre les doigts. Bref, on enseigne tout ça sur mildorvillon.com. Allez vous abonner. Vous allez voir le contenu, c'est du contenu de qualité, ça va vous aider. Bref, voilà pour ça. Travailler par groupement. Euh... Voilà. Et donc, j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'avais besoin de dire? Qu'est-ce que j'avais écrit pour aujourd'hui? Bye, tout le monde! Ok. <laughs> donc, euh, ça, c'est ce que j'avais préparé. Je, veux, je vous donne quand même quoi? Euh, quelques temps pour me, me, me poser des questions. Il y a probablement des choses que vous avez. Euh, eu en tête pendant que je parlais des choses qui étaient, euh, étaient peut-être moins claires. Euh, C'est le temps, donc sortons de notre torpeur ou de notre écoute attentive de Jean-François. <laughs> Et écrivez-moi. Euh, euh, donc, euh, Christian-Louis, je ne comprends euh, d'ailleurs pas pourquoi euh, il n'y a pas des frettes comme sur la guitare. Euh, en fait, euh, Christian-Louis, il euh, y a le fait... <laughs> Euh, il y a le fait que le violon est plus petit aussi, et ce qui fait en sorte que, tu remarqueras sur la guitare, et c'est la même chose pour le violon d'ailleurs, plus on avance sur le manche, plus les frettes à la guitare sont rapprochées. Et ça va être la même chose au violon, plus on va jouer dans les positions aiguës, et plus nos doigts vont être collés ensemble. Ça devient même problématique, justement, comme je disais au début, pour les gens qui ont des gros doigts ou qui, qui ont des grands doigts. Là, souvent, là, on vient jouer rendu dans les positions, puis on doit tasser les doigts pour donner de la place aux autres doigts. Ce n'est pas évident à faire. Okay? Mais ça serait justement tellement proche, vers la fin, les frettes seraient tellement rapprochées euh, qu'on n'aurait pas de bénéfice parce que les frettes seraient une à côté de l'autre, presque. Alors qu'à la guitare, étant donné que le manche est plus grand, mais ça fait en sorte qu'on peut placer les doigts. Euh, à des endroits qui sont précis justement euh, et à ce moment-là on peut toujours avoir on a toujours de l'espace pour mettre le doigt entre deux frettes et à ce moment-là qu'est-ce que ça fait c'est qu'au niveau de la frette c'est là que la corde est coupée, et là ça permet d'avoir une justesse au violon il serait tellement proche les frettes que si on pèse dessus on n'aurait pas d'espace entre les euh, pas assez d'espace entre les frettes donc on aurait un peu le même problème au niveau de la justesse Comprends ce que je veux dire? Euh, bref, impossible de faire sur un violon en tant que tel. Euh, euh, et euh, on, ben à ce moment-là, ben, comme ça se fait en travaillant justement nos espacements, euh, je pense que les frettes euh, sont pas nécessaires. Par contre, les collants, eux, sont nécessaires pour nous permettre de réaliser nos choses et permettre de découvrir les espaces naturels qu'on veut avoir. Pas naturels, je devrais dire, mais les espaces que, que prennent les demi-tons. En passant, vous faites un demi-ton, collez vos doigts. Collez-les. Un et deux collés, trois et quatre collés. Ces demi-tons-là avec des doigts collés les uns sur les autres, souvent beaucoup, 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 beaucoup plus juste que lorsqu'on fait juste mettre les doigts proches. On colle les doigts. OK, on continue avec d'autres questions. Euh... Nadia, c'est ma prochaine étape suivre les cours de Dor, lol. Euh, ben écoute, tu es vraiment euh, la bienvenue. Euh, bien sûr, euh, tu me diras comment est-ce que tu aimes les cours euh, au fur et à mesure que tu avances. Michael qui dit, euh, j'aimerais savoir pourquoi vous avez gardé quatre tendeurs alors que souvent quand on montre une gamme, on voit les violons n'avoir qu'un qu seul tendeur. Pour moi, de mon point de vue personnel et en tant que professeur, euh, et je suis de ceux qui ça va sembler vraiment vantard, mais je suis de ceux qui ont une oreille très affinée. On appelle ça avoir l'oreille absolue. Et c'est ce qui fait en sorte que je vois la différence qu'il y a entre, entre vraiment des, des. lorsque la corde est ajustée de manière très fine. Je n'ai encore jamais vu de cheville me permettre d'être à ce point précis pour satisfaire mon oreille. Peut-être parce que euh, je, euh, bon, évidemment, on peut faire, on peut faire des, des choses pour euh, améliorer la, la, la fluidité au niveau des chevets. Peut, il peut y avoir du savon, euh, un petit peu ou une espèce de petit cirque que les, les, les luthiers ont. Euh, on peut, euh, mais par contre, d'avoir un cordier avec quatre ajusteurs intégrés. Et attention, pas des cordiers avec des ajusteurs qui sont des pièces à part. Parce que ça, ça vient créer des problèmes de son. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu mauvaise presse auprès des violonistes professionnels. Par contre, les nouveaux cordiers avec les ajusteurs intégrés à même la pièce, là, en ce moment-là, il n'y a pas de problème de son, il n'y a pas de frottement. Donc, ça permet de faire des ajustements très, très fins et aller chercher notre justesse parfaite. Okay? By the way, je n'ai pas toujours eu l'oreille absolue, je l'ai développée. Okay? Donc, c'est possible de le faire. Euh, mais mon point est que je ne comprends pas encore à ce jour et, et je vois des, 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 des professionnels s'accorder. Je ne dis pas qu'ils sont mal accordés. Là, au contraire, là. ils arrivent à le faire avec la cheville. Euh, je trouve ça très imprécis. Je trouve, que le, je trouve ça fastidieux d'essayer de trouver la, la justesse au comment euh, à, à vraiment à, à la fréquence près au niveau des Hertz avec une cheville. Je déteste. Donc, euh, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir. Que Au contraire, je le suggère fortement et d'autant plus pour des gens qui développent leur oreille, justement. Euh, donc, d'aller euh, utiliser un cordier à quatre ajusteurs intégrés et non pas cinq pièces différentes, le cordier et quatre ajusteurs, mais un cordier avec les ajusteurs intégrés, c'est une très bonne idée et vous m'en remercierez, justement. Euh, je suis résolument contre ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose. Euh, dans mon expérience, ça fait maintenant 22 ans que j'enseigne le violon. Euh, ça a toujours été un bénéfice pour, pour tous mes élèves. Donc voilà. Euh, ensuite, j'aimerais savoir, voilà, voilà. Sophie qui dit, est-ce que les quatre chapitres de Mille Dor euh, devraient théoriquement être faits entre 12 mois pour quelqu'un qui pratique régulièrement? Non, pas, pas nécessairement. Euh, et la raison pour laquelle, parce que... J'ai écrit, et je vais peut-être le changer éventuellement sur le site web, que c'est l'équivalent d'un an de cours de violon, euh, le cours violoniste débutant. Donc, ça donne l'impression aux gens qu'ils devraient le faire absolument en un an. Or, c'est faux. Euh, pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que je voulais écrire un minimum pour vous donner, une, grosso modo, une idée de grandeur. Mais si j'étais pour écrire, exemple, deux ans, ben, certaines personnes auraient été beaucoup plus vite. Donc, je suis allé au minimum de temps que ça prend normalement pour pouvoir faire toutes les capsules vidéo de Mildor Violon et j'ai écrit que ça serait pour minimum un an de cours de violon, l'équivalent d'un an de cours grosso modo. Mais c'est vraiment un minimum. Okay? Est-ce qu'on devrait le faire en 12 mois? Pas du tout. En fait, ce qu'on qu devrait faire, c'est en 12 mois si on est rendu là, si on arrive à, à tout maîtriser en 12 mois, là, on le fera en 12 mois. Si on est capable de le faire en 14 mois, en 2 ans ou en 3 ans, faites-les en 14 mois, 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre notre capacité personnelle. Et ça ne veut pas nécessairement dire que la deuxième année, si on a fait la première année d'une manière plus lente, ça ne veut pas dire que notre deuxième année, on va la faire aussi plus lente et qu'on sera toujours plus lent que les autres. Il faut se défaire ces constructions-là. Moi, j'ai vu des élèves qui ont pris 3 euh, ans à faire la première année de violoniste débutant euh, et après ça, qui ont monté la deuxième année en sept mois, la troisième année en six mois. Et souvent, c'est quand on prend justement plus le temps de bien maîtriser chacun des aspects. Je parle beaucoup de différents aspects à maîtriser à travers le cours. Quand on, a, on prend le temps de bien maîtriser ces aspects-là, avant d'avancer pour avancer ou parce que ça me tente de faire une autre pièce. Non, maîtriser les choses avant, avant d'évidemment avoir du plaisir aussi. D'où le fait que vous avez accès à Play, les mildoristes. Bref, euh, euh, le fait d'aller lentement et sûrement, petit train va loin comme on dit, c'est exactement la même chose ici. Donc, est-ce que ça devrait être fait en 12 mois? Non, ça devrait être fait en le temps que ça vous prend pour bien maîtriser, peu importe qu ce que c'est. Si on me demande une moyenne, je te dirais que la moyenne est entre 8 mois et 3 ans, quelque part là-dedans. Et encore là, c'est une moyenne. Mais il vaut mieux faire les choses lentement euh, et, et, et régler nos problèmes plutôt que d'essayer d'aller trop vite. Euh, parce que de cette manière-là, ça va vraiment faire en sorte que justement nos assises, nos fondations vont peut-être tellement être solides que par la suite, justement, deuxième année, troisième année, on risque d'avancer plus. Ou peut-être pas aussi. Peut-être que ça va prendre plus de temps. Vous savez, l'important, c'est le rythme personnel. Comment moi, je suis capable d'avancer. Essayez d'éviter ces constructions-là de l'esprit. C'est la raison pour laquelle je risque de l'enlever sur notre site cette, cette chose-là qui, qui dit grosso modo, un, grosso modo un an de cours parce que les gens restent avec cette idée-là et cette construction-là ne nous aide pas. Elle fait, elle fait juste nous nuire. Elle nous oblige à avancer alors qu'on devrait rester en arrière. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire Prenez votre temps. C'est vraiment important. Bon, je continue avec d'autres questions. Catherine euh, -tret -tret qui dit, je l'entends quand le son n'est pas bon. Ben, ben, très bien. Effectivement, ça, c est, c est... et ça se développe aussi pour les gens qui ont de la difficulté. C'est normal d'avoir de la difficulté. Moi, je, je vous le dis, hein, j'ai vraiment pas eu commencé avec l'oreille absolue, mais loin de là. Ok, euh, difficulté à, à à bien entendre les, les distinctions entre, entre les notes, euh, et finalement, je l'ai développé avec le temps. Bon, tu sais, avec le temps, quand tu commences à 4 ans, ça veut dire que rendu à 6-7 ans, tu, tu vois les distinctions, mais encore là, la justesse parfaite, je l'ai eu beaucoup plus tard. Là, euh, donc, euh, vous comprenez qu ce que je veux dire? Prenez votre temps et ça se développe. Il y a des trucs, et on fera peut-être des webinaires sur la question, pour développer notre oreille. Nadia qui dit, je prends mon temps, mais je prends... Plus de temps, je suis d'accord. Fantastique, c'est ce qu'on veut. Euh, Sophie, et les chapitres sont à suivre, capsule par capsule, chapitre par chapitre, où on fa peut faire un peu du chapitre 5, et ensuite du chapitre 6, etc. Oui, on peut faire du. on peut passer du coq à l'âne, ou on peut suivre rigoureusement. Souvent, ce que je conseille, c'est que les gens qui suivent les cours de Mildan Violon, mais qui avancent euh, vraiment... Euh, euh, par eux-mêmes qui ne prennent jamais de cours euh, par visio, qu'on offre aussi chez Mildor Violon, by the way, euh, et en forfait aussi, euh, si, vous, si vous avez besoin de faire à la fois tutoriel et rencontre. Mais bref, ceux qui ne prennent jamais des rencontres par visio, je vous dirais si vous êtes mieux de, de suivre étape par étape. Par contre, pour ceux et celles qui euh, ont des cours par visio, justement, avec des professeurs, ça se peut que le professeur te dise, ben écoute, pendant que tu travailles ton chapitre théorique, va donc voir ta tenue d'archer. Pendant, pendant que tu es rendu à telle pièce, commence donc déjà les six groupements qui sont au chapitre 6 alors qu'on est encore au chapitre 4. Ça se peut qu'à ce moment-là, le professeur peut voir où sont les forces et les faiblesses et conseiller justement le, le violoniste pour, euh, pour avancer et faire des choses en parallèle. Alors que le. Parce qu'évidemment, on, on peut développer des compétences en parallèle. Le, travailler le rythme, ça ne change rien sur travailler le nom des notes. Euh, et je, la technique de la main gauche ne t'empêche pas d'apprendre la technique de la main droite. Par contre, au niveau des capsules vidéo, il a fallu que je choisisse un ordre pour, euh, pour être certain que vous ne perdiez rien du début à la fin. Donc, euh, effectivement, si vous n'avez pas de professeur qui vous aide, Suivez du début à la fin, c'est mon conseil. Comme ça, vous n'aurez pas de moment où vous n'avez pas eu une information importante. Mais si vous avez un professeur avec Mildor-Violon, puis vous suivez des cours, bien, effectivement, euh, le professeur pourra vous suggérer de faire des compétences en parallèle. effectivement. Euh, voilà pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je vois? Euh, « Je préfère prendre mon temps et bien faire, j'oublie la performance. » Oui, c'est une bonne, une bonne chose, Diane. Ensuite... Euh, Lise dit Je suis d'accord avec JF, prendre son temps pour arriver plus vite. Prendre son temps pour arriver plus vite euh, à un certain degré, effectivement. On, on bâtit bien nos assises. C'est comme le principe, dans le fond, de bâtir une maison. N'oubliez pas une chose. On commence par une fondation solide. Parce que si la fondation n'est pas solide, as beau prendre ton temps et bien bâtir euh, après ça les, la charpente, le toit, faire la finition puis mettre la peinture. Mais dans deux semaines, quand il va avoir un tremblement de terre, sa maison, c'est fini. Okay? Bon, j'exagère, je mais vous comprenez le principe, hein? une fondation solide. Et souvent, c'est la première année, justement, cette fondation solide-là. On veut être certain de bien faire les choses. Donc, prendre son temps plutôt que de penser en termes de limite de temps euh, ou de, de je dois arriver absolument à faire ça en un an. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait en sorte que. J'ai jamais compris et, et, je, ne, et je, je suis résolument contre les professeurs qui, première année, te donnent le livre de l'année 1, deuxième année, te donnent le livre de l'année 2, troisième année, rien n'est né qu'un année 3. Et finalement, comme ça, à chaque année, sans même juger de si l'élève est rendu vraiment là, donne volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Et je vous dis à peu près, on rendu au volume 3, 4, 5, l'élève arrête. Pourquoi Parce qu'il est rendu à faire des choses trop grandes. Il n'a pas encore la compétence de, de, de bien maîtriser les choses et ce n'est pas de, de sa faute. C'est parce que justement, il n'a pas eu le temps pour bien travailler chacun des aspects et finalement, il va se démotiver parce qu'il doit réapprendre au complet. Donc, prenez votre temps. Vous savez, on, on, on a notre vie devant nous. C'est correct de prendre son temps aussi. Et c'est le conseil que je vous donne. Bien sûr, on le fait toujours avec le sourire, avec plaisir pour avoir du, euh, avoir du fun. C'est toujours bien important. Voilà pour ça. Euh, voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous donne la chance de me poser une dernière question. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une super bonne semaine. J'espère que le webinaire vous a, euh, vous a intéressé aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses aussi ou que vous vous sentez tout simplement <laughs> un peu moins seul <laughs> euh, par rapport à, par rapport à, à cela. Euh, donc, euh, euh, oui, parce que, effectivement, nos doigts, des fois, ont, ont justement ces mouvements naturels-là de la main. Euh, là, je fais du temps en ce moment. Pourquoi? Parce que je vous donne la chance d'écrire de, une dernière question, mais ça semble bon. Alors, euh, voilà, tout, les gens me disent merci. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous euh, cette semaine. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être avec vous et partager ce beau moment-là. Euh, donc, euh, allez voir ça, mildorviolon.com. Euh, tous les dimanches, euh, je suis... <laughs> oui, Blueberry, qui dit, tes lives sont tous les dimanches. Oui, effectivement, tous les dimanches à 10 h, je fais un live comme ça sur divers sujets. Il y en a qui sont plus intenses, il y en a qui sont plus simples. Mais effectivement, euh, ça nous permet... Euh, de vivre un beau moment ensemble et de parler de différents sujets qui entourent le violon. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est toujours vraiment un plaisir pour moi. Je suis euh, bien humblement là, ça, ça vient vraiment me faire plaisir et je tiens à vous remercier. Je vous souhaite à tous une super bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un autre. Prenez soin de vous. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.